la pollution n'a pas de frontières. C'est le jugement de la Cour suprême. Dans une décision rendue à 6 contre 3, le plus haut tribunal du pays conclut que les changements climatiques constituent un défi existentiel et que l'inaction d'une province aurait de graves conséquences sur des intérêts extra-provinciaux. C'est donc au nom de l'intérêt national que le gouvernement fédéral a le droit d'imposer une tarification sur le carbone. This is an historic day for Canada. Le ministre canadien de l'Environnement parle d'une journée historique. Le ton était moins victorieux en Alberta. Évidemment, nous sommes déçus avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui. Le conservateur Jason Kenney, qui a été élu en faisant campagne contre la tarification sur le carbone, doit décider s'il gardera la taxe d'Ottawa ou s'il imposera son propre système, comme l'a fait le Québec. On va consulter les Albertains et les autres provinces, nos alliés, pour déterminer la meilleure politique. La Saskatchewan, elle, entend maintenant mettre en place son propre régime de tarification. Saskatchewan design its own carbon pricing system for fuel. It's really, my friends, the worst tax ever. Quant à Doug Ford, qui avait forcé les stations-service ontariennes à poser des autocollants contre la taxe fédérale, il a préféré envoyer son ministre de l'Environnement au front. We are going to move forward with our plan. La bataille judiciaire a beau être terminée, l'affrontement politique, lui, se poursuit. Les conservateurs promettent d'abolir la taxe fédérale, même si la Cour la juge constitutionnelle. Je vais aussi avoir un plan sérieux et clair sur l'environnement parce qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il est très attendu, ce plan. Donc, le chef Erin O'Toole a beau vouloir convaincre, montrer son sérieux, il faudra des gestes concrets pour faire oublier que son parti ne reconnaît pas officiellement l'existence des changements climatiques. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.